Bonjour à tous, c'est Skar de chez Mess Design et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel. On va apprendre aujourd'hui à créer une espèce de publicité, on pourrait appeler ça, ou une espèce d'effet assez sympathique, pardon. Donc voici le rendu. Voilà, donc aujourd'hui on va apprendre à créer ça. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Ça va être assez rapide, je pense. Donc, pour ce tutoriel, vous allez avoir besoin d'images. Donc, en fait, j'ai pris des photos en 4K parce que... regardez, je vais vous montrer. Voilà. En fait, on est un peu en train de zoomer dans la photo. Et si on zoome trop avec une image basse définition, on va voir que c'est flou. Donc moi j'ai passé un peu de temps et j'ai trouvé cette photo là en 4K, c'est voilà, elle est de très très haute définition et c'est génial. Donc je vous mettrai bien entendu le template dans la description de la vidéo. Alors c'est parti, on va commencer par importer nos ressources dans images. Voilà, moi j'ai créé une petite composition avec des trucs déjà créés. Donc on va créer la composition qu'on va appeler tutoriel. Hop là. Donc on va commencer sans plus attendre. Alors déjà on va mettre notre image sur la timeline ici et on va baisser un petit peu la taille. Donc on va mettre à peu près comme ça. Alors je vais vous expliquer en fait comment est-ce qu'on va se débrouiller. Déjà il va nous falloir une petite animation de texte. Je retrouve la vidéo, voilà. Voilà, vous voyez ici là l'animation. Bon, on va créer une petite animation qu'on va mettre ensuite. Donc, on va créer une nouvelle composition et on va l'appeler animation du texte. Voilà. On va la placer en haut. Donc, déjà on va mettre une grille pour que ça soit bien centré. Voilà. Donc ici on va cocher grille. Comme ça on a bien le centré là. Alors, on va créer notre texte et on va l'appeler MS Design. On va faire exactement pareil. MS Design présente a new tutorial. Donc on va faire ça comme ceci. Voilà, on va bien le placer au centre. Donc on va sortir un script, donc dans fichier, script, move anchor point. C'est un script que vous pouvez télécharger gratuitement sur le net et qui nous permet, donc vous voyez le point d'ancrage qui se trouve ici, on va le mettre au centre. Comme ça, quand on augmente la taille, eh ben, la taille s'augmente en partant du point d'ancrage. Et si on met la taille à 0, ça sera à 0 sur le point d'ancrage, vous voyez. Voilà. Et si on le met à droite, par exemple, le point d'ancrage, eh ben, ça sera comme ça. Ça partira vers le point d'ancrage. Donc nous, on va le mettre au centre, comme ça, on a le centre du texte ici. Hop là. Donc on va juste le positionner sur le centre de l'écran. Et là, on a notre texte. Donc on va l'augmenter un peu. Voilà, parfait. Donc déjà on va commencer par créer un carré. Alors le carré, hop, on va prendre ceci. Non, en fait on va créer un solide, vous allez comprendre pourquoi. Un solide tout blanc. Pardon. On va baisser la luminosité pour pouvoir voir le texte en bas. Et donc on va prendre notre rectangle et on va créer un masque comme ceci. Voilà. Donc là, on a notre masque qui est créé. Notre masque, ici, il est en forme de carré, tout simplement. Donc, maintenant, on va changer de grille. On va mettre cette grille-là. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va double-cliquer sur le masque. Et donc là, vous voyez, on peut bouger notre masque. Donc, on va bien le centrer. Hop, on est au centre de l'écran. Et on n'a plus qu'à l'ajuster en fonction de ce que vous voulez. De ce qu'on veut. Donc, hop là, on va mettre ça comme ça. Ça, on va mettre ça comme ça. Et lui, voilà. On va baisser un petit peu sur les côtés. Parfait. Super. Donc là, voilà. Maintenant, on va remettre l'opacité à 100%. Donc, voilà. On a notre masque en forme de carré. Tout simplement. Donc, alors, comment faire pour que ce masque se transforme en trait? Alors, dans effets et paramètres prédéfinis, on va taper trait. Voilà, génération trait. Si vous avez After Effects en anglais, ça sera stroke. Mais nous... c'est très parce qu'on est en français. Donc on va le mettre sur notre masque ici. Hop. Donc là dans le trait,
on va mettre masque 1 et on va mettre transparent. Voilà. Donc, en gros, quand on met en original, il y a un trait qui va se former par-dessus le masque. Sauf que il y a toujours le blanc ici. Nous, on veut que le blanc devienne transparent et qu'on voit que le trait. Donc voilà, maintenant on ne voit que le trait. On peut augmenter un peu l'épaisseur. Donc on va, moi, je vais mettre ça comme ceci. Ça me paraît pas mal. Et donc maintenant, on va l'animer pour que le trait il fasse tout le tour. Donc là, on a début et fin. Donc fin, on va juste le mettre à 0. Et pareil pour début. Donc on va cocher début et fin. On va aller à 2 secondes et on va mettre les deux à 100. Maintenant, on sélectionne notre solide ici. On appuie sur U pour voir toutes les images clés. Et donc là, on voit que ici, de 0 à 2 secondes, le début et la fin passent de 0 à 100%. Donc, on va prendre le début et on va le décaler un peu par rapport à la fin. Comme ça, on aura cet effet-là. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, on va le raccourcir un petit peu, genre comme ceci. Voilà. Donc c'est un peu plus rapide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner toutes les images clés. On va cliquer sur ici sur les courbes. Maintenant, on va décocher ça. On prend le début. On double-clique sur le début. Et donc là, en fait, voici le graphique de la vitesse. Alors, on va lisser la vitesse en cliquant sur lissage de vitesse. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, en fait, on a la vitesse de notre trait. Et on voit que c'est uniforme en fait. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de changement radical. Et moi, j'aimerais bien que ça soit rapide, puis après, ça soit lent. Alors, ça va être très simple. On va faire ça. Voilà. Donc, ici, ça va être rapide. En fait, on va tirer le point de gauche vers la droite, le point de droite vers la gauche, pardon. Donc, au début, ça sera rapide, et après, c'est lent. Et on va faire pareil pour la fin. On double-clique sur la fin. On clique sur le lissage de vitesse, là on a la courbe de la vitesse, et on va tirer ce point vers nous. Inversement, vous pouvez tirer ce point-là pour que ça soit lent, puis après ce soit rapide. Et ça va nous donner ça. Voilà. Et moi je trouve que c'est un peu trop rapide quand même. Donc du coup, le début je vais le décaler un peu comme ça, voilà. Et on va augmenter le temps, et ça va nous donner ça. Et voilà. Voilà, tout simplement. Et si vous voulez que ça se répète, donc on appuie sur U pour voir les images clés, on va à la fin, on fait fichier, édition scindée, voilà. Maintenant on va supprimer cette partie-là, donc en gros, je vais mettre en fuchsia pour que vous voyez bien. Merde. Fuchsia. Donc en gros, toute cette partie, c'est la partie où le texte va, où il va y avoir le rectangle qui bouge. Donc on va le dupliquer, CTRL D, et on va le remettre à la après. Du coup, ça va se répéter deux fois. Vous allez voir. Voilà. Donc maintenant, on va faire des petits traits qui sont un peu dans tous les sens. Donc, on va créer un solide, on va l'appeler trait. On va baisser l'opacité, bien entendu. Hop, on va afficher la petite grille. Et donc maintenant, avec notre masque ici, on va mettre un point là. En fait, restez appuyé sur la touche Shift, enfin Maj. Comme ça, même si vous mettez un peu à droite, le trait sera droit, vous voyez? Donc, super. Maintenant, on va remettre à 100%. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre l'effet trait sur notre masque. Et on va mettre en transparent. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Si on enlève la grille, et si on augmente ceci, on voit qu'il y a un trait qui s'est formé ici en fonction du masque. Donc on peut bien entendu augmenter la taille du masque pour augmenter le trait. Donc on va dans le masque, on double-clique sur le masque. Voilà. Juste faire réapparaître la grille et je vais le mettre comme ça. On va le décaler un peu à gauche. Ensuite, là, bon voilà, ça me paraît assez bien centré. Quoique, je pense que je vais quand même l'augmenter un peu. Je vais. Ouais. Hop là. On va le mettre là. Et on va le mettre là. Là, ça me paraît cool. Donc, l'épaisseur, on va mettre à 2. Et là, on a un trait en plein milieu. On va quand même, en fait, on va mettre à
4. Ouais, voilà, parfait. Alors, ce serait bien que le trait il fasse. Merde. Qu'il fasse ça. Donc, en fait, on va faire pareil que avant. On va cocher début. Merde, on va se mettre à 0. Hop là. Donc là, en gros, on voit que le trait. On va cocher début et on va cocher fin. On va à 2 secondes. Début, on met à 100 et fin, on met à 100. En fait, je crois que j'ai dû faire une connerie. Je me rends compte que c'était pas exactement ce que je voulais vous faire faire. Non, pas du tout en fait. Pas du tout, du tout. Donc, on va retirer ce que j'ai dit. On va supprimer l'effet trait. Donc, là, on a un solide blanc avec un masque. Vous voyez? On va faire. On va aller là-dedans. Masque. Non, transformer. Ah non, 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 non. Excusez-moi. On va prendre cette forme-là. Hop là. Ajouter. Voilà. Donc, on va reprendre. On va créer un, avec le stylo plume là, on va créer un trait. Donc, on reste appuyé sur Maj, on fait là et là. Donc là, on vient de créer un trait, tout simplement avec la plume. Le fond, on va mettre inexistant et on va mettre un contour. Voilà. Et le contour, on peut l'augmenter pour que le trait soit plus grand, sauf que il veut pas s'afficher. Voilà. Donc là, vous voyez, on vient de créer juste un putain de trait. Donc on peut le mettre à. Le trait, on va le mettre à 3, par exemple. Voilà, donc là on a notre trait. Donc. Excusez-moi, c'est qu'en fait il y a une autre forme. Bon, ici on s'en fiche de celle-là, on va la supprimer. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici ajouter, raccorder les tracés. Voilà. Donc raccorder les tracés. Et là on a début et fin. Donc ça va être exactement pareil. Hop. Excusez-moi, j'ai un truc. Voilà. Donc début, on va cocher. Fin, on va cocher. Non, c'est faux. On va cocher. On va mettre fin à 0. On coche fin. On va à 2 secondes. Ou alors on va avancer 10 images. Donc on coche fin, on fait contrôle et flèche de droite 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On avance de 10 images. Et on met à 100%. Maintenant, on fait fichier scinder le calque. Édition scinder le calque, pardon. Ensuite, on va dans contenu. Raccorder les tracés. On coche début. On avance de 10 images. 1, 2, 3. Merde. On coche début, on avance de 10 images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on met à 100. Donc ça nous fait ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Hop là. Voilà. Donc, on va prendre ici là, le premier, donc fin. On va dans courbe. On double-clique sur la fin. On clique sur le lissage de vitesse. Et là, on a la courbe de la vitesse. Donc, j'aimerais bien que ça soit rapide, puis lent, puis après rapide. Donc, on va tirer ça vers la droite. Et là, du coup, on voit bien que c'est lent. Et ici, c'est rapide, symbolisé par le pic. Maintenant, on clique sur le deuxième, donc sur le début. Hop, on double-clique, on va dans le lissage de vitesse. Et on fait l'inverse. On fait rapide, puis après lent. Et du coup, ça veut donner ça. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, du coup, maintenant, on appuie sur U et on peut très bien augmenter les valeurs. Donc, hop, on fait ça par exemple, on augmente. Et là, on obtient ça. Voilà. Donc, on a notre magnifique trait qu'on vient de créer. Donc, on va scinder le calque, je supprime. Donc voilà. Alors, maintenant, on va les placer aux endroits qu'on voudrait. On prend nos deux traits ici. Et où est-ce qu'on va les mettre? En fait, il était très bien placé. On va le laisser là.
Ensuite, on va les dupliquer. Ctrl D. Hop. On va les mettre autre part. Ici, par exemple. Ensuite, on va les dupliquer encore. Ctrl D. Et on va les mettre là. Voilà. Et du coup, on obtient ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà notre animation de texte qu'on vient de créer. Maintenant, on retourne dans notre tuto avec l'image. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre animation de texte et on va la glisser dans la composition. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Voilà. Donc, c'est vachement cool. On va créer une caméra. Créer caméra, voilà. Et maintenant, donc notre image, on va la mettre en 3D. Et notre animation de texte, on va la mettre en 3D. Maintenant, on va prendre l'outil pour bouger la caméra et on obtient ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre la souris et dans l'animation de texte, on va la faire ressortir comme ceci. Et là, du coup, on a cette impression de 3D avec l'animation de texte. Et vous pouvez voir qu'on fait ça en fait, tout simplement. L'animation de texte, je vais la déplacer moi et je vais la mettre vers le haut, comme ceci. Et on va faire ça. Hop là. On va se mettre comme ça. Super. Donc on va animer la caméra. Donc dans caméra, on appuie sur position, P, on coche, on va vers 6 secondes. Non, 4 secondes, pardon. Et on fait ceci. Un mouvement. Comme ceci. Et là, on obtient ça. Ce mouvement en fait il me plaît pas trop, j'aime pas trop, du coup je vais le recommencer. Voilà. Voilà, donc du coup ça nous fait ça. Voilà. L'animation en fait je vais le décaler un peu, je vais le mettre là et là. Du coup, ça va nous faire ça. Et maintenant, on va modifier le graphique de la vitesse de la caméra. Donc, on clique dans les courbes, dans position de la caméra, on double-clique, on va dans lissage de vitesse ici. Ah oui, et donc, si vous ne voyez pas la courbe ici, il faut qu'ici vous ayez coché modifier le graphique de la vitesse. Hein. Voilà. Donc, on va faire rapide, puis après lent, pour faire un mouvement lissé. Voilà, comme ceci. Voilà, sauf qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier encore la vitesse. On va faire ça comme ceci. Et là, on obtient ça. Voilà. Donc ça me paraît pas mal. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, hop là. Donc là, c'est. Moi, je trouve ça assez classe pour l'instant. On va faire les effets. Donc, regardez la vidéo. Voilà, on va faire les effets ici qu'on a de zoom. Alors, là par contre, ça va être vraiment être très 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 simple. Donc là, en fait, comment on va procéder? On va créer une nouvelle composition. Vous allez comprendre. On va créer une nouvelle composition, on va l'appeler compo finale. Voilà. Et on va glisser notre animation tutoriel ici. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que on va dupliquer notre composition. Donc là en fait on a deux fois la composition l'une par-dessus l'autre. Donc on peut la bouger, vous pouvez voir qu'on l'a deux fois. Maintenant on va créer un masque avec cette composition, donc un masque comme ceci. Donc là, on a un masque sur la composition du haut que je vais mettre en vert foncé pour vous montrer. Et ce qu'on peut faire, c'est que on peut grossir ce masque. Et vous pouvez voir que ça fait un effet zoomé. Donc du coup, en gros, ça veut dire que la composition, elle est grossie et elle est masquée avec un masque qu'on vient de créer. Et donc voilà. Du coup, maintenant, on va animer le masque. Donc on double-clique sur le masque. On appuie sur M. Et là, on a un tracé du masque. Et donc vous pouvez voir que
Ça fait ça en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le tracé ici, il est à 0. Et je vais avancer vers 4 secondes. Merde. Et le tracé, je vais le mettre là par exemple. Du coup, ça va nous faire ça en fait. Voilà. Et je vais baisser un petit peu la taille quand même parce que ça me paraît un peu trop gros. Voilà, comme ça. Là, ça me paraît pas mal. Donc là, vous voyez que c'est quand même beaucoup mieux. Maintenant, on va modifier un peu la vitesse. Donc, on va dans les courbes, on sélectionne ça, on va dans les courbes, on double-clique sur tracé du masque, dans lissage de vitesse, et je vais faire lent, puis après rapide. Comme ceci. Et là, ça va nous donner ça. Voilà. Parfait. Et maintenant, on n'a plus qu'à répéter cette action plusieurs fois. Donc, je vais dupliquer notre... Donc là, je vais appeler ça zoom. Je vais le dupliquer, CTRL D. Je vais l'animer différemment. Donc en fait, non, je vais inverser les images clés. Et comme ça va faire ça. Vous voyez que du coup, ça nous fait ça. Et je vais le grossir un peu par rapport à l'autre, du coup. Hop là. Voilà. Et je vais rajouter un autre truc, donc ça va être le même. Voilà, le même. Non, en fait, non, je vais pas faire ça. Je vais reprendre le tutoriel, l'animation, CTRL D, et je vais le mettre en fuchsia. Hop là. Là, on va faire un masque un peu plus gros, donc de ce style-là. Voilà. Voilà. Et on va le mettre en noir et blanc. Noir et blanc. Comme ceci. On va le faire zoomer un petit peu. Voilà. Et on va l'animer. Donc à 0 ici. Merde. Hop là. À 0 seconde, le masque il sera ici. Et à 4 secondes, le masque, il sera là, tout simplement. Et on va modifier la vitesse, encore une fois, dans les courbes, on double-clique sur le masque, hop. Et on va mettre le rapide, puis après, on va mettre lent. Et normalement, ça va nous donner un magnifique petit effet comme ceci. Voilà. Voilà. Donc ça va nous donner ça. Super. Donc alors maintenant, j'aimerais bien rajouter des particules. Donc on va créer un solide. On va appeler ça particules. Là maintenant, ça va être la partie où on va faire les finitions. Clic droit. Hop. En fait, non, ça va être ici. On va mettre particules. On va mettre CC Particule World. Hop là. Donc dans Longevity. Alors. Je crois que je me suis gouré de... C'était pas lui que je voulais prendre en fait. Non, faut prendre CC Particule System 2. Voilà, donc dans... En fait, j'aimerais bien les écarter comme ça pour qu'on ait le plus de particules possible. Donc on va mettre 500 et 500. Merde. Et là, du coup, on a les particules qui sont bien écartées. On va ensuite dans Physique. Non, là, c'est très bien. Je vais mettre en masqué, comme ça on voit que les particules. Dans particules, je vais les mettre noires, blanches, pardon. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu malade aujourd'hui. Ok. Dans gravité, je vais mettre 0,3. Comme ça. Voilà, ça ira comme ça en fait. Dans vélocité, on va mettre 0. Donc vélocité, en fait, c'est pour que ça se barre un peu en couille. Voilà. Donc en fait, je vais mettre 0,1. Voilà, comme ceci. Et en gravité, en fait, je vais mettre 0,2. Comme ceci.
Ensuite, en type de particules, on va choisir un truc qui me paraît bien, enfin qui vous paraît bien, choisissez. Non. Lens convexe, ça c'est pas mal. Non. Bon bah ça me paraît cool en fait, on va garder ça. Et en burst rate, on va mettre 2. Comme ça, il y en... Non, en fait, on va mettre 1. Comme ça, il y en aura beaucoup moins. En fait, je pense que je vais mettre 0,5. Voilà, comme ça, il y a beaucoup moins de particules. Et c'est plus cool. Et on va activer le flou de mouvement. Donc, on coche là et on coche là. Et comme ça, on a un flou de mouvement avec nos particules. Donc, du coup, si on revient là-dedans, on a nos particules. Et on va mettre de la lueur diffuse sur les particules. Lueur diffuse. Hop là. Pour que les particules soient plus visibles. Voilà. Et on va faire un dernier truc, ça va être les looks. Donc on crée un calque d'effet, on va appeler looks. Clic droit, effet. Donc en fait ça c'est un plugin que vous pouvez trouver sur le net aussi. On va l'appliquer sur notre composition, edit. Donc voilà, là on a notre composition. Et on va choisir un truc qui est cool. Ça c'est classe ça. C'est vachement classe ça. La vignette par contre elle est un peu trop importante, je trouve. Hop là. En fait, là, on peut ajuster absolument tout ce qu'on veut. Donc, je vais baisser un peu les courbes. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ajuste un petit peu la gestion des lumières. Ça, on va remettre par là. Hop là, pour pas que ce soit trop jaune non plus. Voilà. Et enfin la touche finale c'est qu'on je vais rajouter un autre truc qui va être le flou de chaque côté, on va mettre un peu de flou. Et voilà, donc du coup ça passe de ça à ça. Et on obtient ceci. Donc regardez. Donc voilà, ça nous fait ceci. Voilà, et on peut aussi rajouter un optical flare, donc créer solide. Donc ça encore, c'est un plugin. OF, on va faire clic droit, effet, vidéo copilot, optical flare. Voilà. On va mettre en transparent, option, et là on va choisir notre flare. Lui, je le mets toujours, il est super cool. Je supprime les espèces de trucs là qu'il y a ici là en bas. Ça sert à rien. Hop hop hop, je supprime. Hop là. Hop là. Voilà. Du coup, il ne reste plus que ça. On va là-dedans. Et on va le mettre en mode addition. Comme ceci. Et donc la couleur. Un peu bleu, blanche, voilà, comme ceci. Et moi je le mettrais bien un là. Je le duplique. Ctrl D, hop. Et un en bas aussi. Et donc voilà, du coup, on a notre belle animation. Donc voilà. Et bien maintenant ce tuto est terminé. Bien entendu, je vous mets le template dans la description de la vidéo. Donc alors, en résumé, on a créé une animation de texte qu'on a mis sur une image en 4K. Ensuite, on a créé une caméra. Avec la caméra, on a bougé dans un espace 3D qu'on a défini ici. Donc là, on a tout mis en 3D. Donc ensuite, on a animé la caméra, on a modifié les courbes des fonctions. Et on a fait des espèces de petits effets de zoom qu'on voit ici apparaître. Donc voilà.
Et ben, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous sera aidé. Et j'espère que vous allez vous abonner à notre chaîne MS Design. On fait des tutos chaque semaine. Donc, ben voilà, sur ça, je vous dis à plus et rendez-vous pour de prochaines vidéos sur notre chaîne MS Design. Salut!